répondre docilement à Bell, qui nous présentera les principaux monuments de la Havane. La révolution des palais présidentiels devenus aujourd'hui, nous avons la révolution que l'on va visiter des dernières minorités à la Havane. À gauche, on peut apprécier le monument à la mémoire du généralissime Maximo Gomez et caressé par la lumière crépusculaire, là-bas, le chapelet est à Havane. Voilà un magnifique monument montrant José Martí à cheval en train de mourir. C'est une réplique de celui que l'on trouve au Central Park à New York, faite par l'artiste Musée de la Révolution, que l'on va visiter aussi la dernière journée. À droite, la région classique, deuxième centre à Valais. Le premier centre, la ville en train de Rose, que l'on va visiter demain. Celui-ci, que l'on va aussi parcourir demain, quand la ville soit à bus. Et vous serez toujours par ici maintenant, et aussi au retour. Vous serez le Cavill à l'hôtel Central Park, donc vous serez toujours dans la même aire. À gauche, aujourd'hui, le siège de l'opéra et du ballet classique, sur l'inspiratrice de l'art. Aujourd'hui, il s'appelle Grand Théâtre de la Havana, Alicia Maloney. Et à droite, le Capitole, entre 1959 et pendant la guerre mondiale, des Indes occidentales, faites par l'Italien Giuseppe Gaccini, à 1836, voulu et financé par les mécènes riches et les coins à côté du feu. Et il y a quelques maisons Ardeco ou Arturo, à leur influence néoclassique, néoclassique, parce que tout cet endroit est vers le 19e siècle, soit bien moitié, à la fin du 18e, lors de l'essor du néoclassicisme à Cuba. Ici, maintenant à gauche, on va voir la très belle église du Sacré-Cœur, à mon avis, l'une des plus belles, édifiée par la compagnie des Jésus, les Jésuites, ici à gauche, on est là, avec le Sacré-Cœur au centre, à côté du Sacré-Cœur, et ses statues de François Xavier et aussi San Ignace de Loyola. Caractéristiques artistiques parce que tous les deux des artistes. Mais c'est parce que vous voyez bien ça. Ezequiel le donne la volte à la place. Voilà, par ici on peut apprécier la place de la Révolution historique, les travaux en cours sur la place. À gauche, regardez l'obélisque à la mémoire de José Martí. L'obélisque, il a 139 mètres de hauteur. Il a été fait en marbre blanc, marbre gris de l'île de la Jeunesse. Cette île que l'on voit sur la carte. À Cuba, la tradition était de faire tous les monuments en marbre blanc de Cantate, féminine. Ça représente aussi la forme, c'est les mouvements apparents et elle fait la planète, appelée après Vénus pour ses motifs, tous les 4 ou 5 ans. Entourant la place, ça se trouve à gauche le ministère de l'Intérieur, où trône l'effigie de Che Guevara, et de l'autre côté, le ministère des Communications et Informations. Vers les États-Unis, tout en attendant la chute du gouvernement de Castro. Ils ont dit que le gouvernement de Castro ne durerait que quelques mois. Et le Malecón Havanais, la grande avenue du Malecón. Malecón, le Seawall, on dit en anglais, c'est le parapète qui freine les vagues. À vrai dire, le Malecón n'est que le muret que l'on voit en face. Mais on a donné le nom au trottoir et même à l'avenue. Les noms officiels de l'avenue, c'est l'avenue des Amériques. Pardon. Avenue du Golfe, couramment appelé cet endroit, autant que toujours, la voie où se trouvait le Malecón, voire le muret que l'on voit à gauche. Donc, les trottoirs, les murets et l'avenue, on l'appelle au même nom, Malecón Seawall, parapet pour freiner
les bacs. À droite, le bâtiment de Saint-Denis, soit en fin du XXe siècle. La venue de Malécon est la 7 km de Marty de vous. Ce n'est pas un Marty pensif au mouvement, c'est un Marty accusateur montrant du doigt l'ambassade américaine. Monument aux marins américains sacrifiés lors du bateau sinistré Maine, qui a permis aux États-Unis d'entrer en guerre pendant la première guerre d'indépendance. Avec 15 ans, il est devenu un pivot, il est devenu général des brigades à Élément. Voilà par ici le ministère. On se trouve là-bas. Baptiste, abandonné par la riche quand ils sont allés fonder le quartier Médano, acheté. Et de l'autre côté, ici, juste en face, à Tonelli, on estime Renaissance. Vers la droite, la promenade de Pano, le Capitole, l'hôtel Séville, la zone que vous déjà connaissez. À droite, l'esplanade de la Pointe. Et voilà le monument à la mémoire du général Maximo Gomez à droite. Monument placé là-bas en 1935, en marbre blanc de Carrare et bronze, fait par l'Italien Aldo Gamba. Derrière la place de la République, le musée de la Révolution, ancien palais présidentiel et bien sûr votre hôtel Séville. On entre par ici, dans l'air où une fois s'est dressée et une école d'artillerie et une fonderie pour la création des canons. Mais l'autre côté du canal, on peut apprécier la batterie de la Divine Bergère et aussi la partie postérieure de la forteresse de San Carlos de la Cabaña. À droite, à gauche, de l'autre côté de la baie, on peut apprécier le Christ de la baie, magnifique statue de Jésus faite par une femme. C'est la plus grande statue de Jésus au monde. Marta Fernandez de Batista, en bateau par ici. À côté de la statue à gauche, vous regardez, il y a une maison couleur beige, au toit de tuiles rouge. Vous la voyez? Voilà, c'était la première maison du Che Guevara ici à La Havane. Renommée à beige, ça s'appelait la Russie. C'est hollandaise. Friesland. Ici, ce bâtiment en verre a une fois été la douane. Ici, le jardin à la mémoire de Diana de Galès. Et ce grand bâtiment que l'on voit à droite, celui-là.